Je me nomme Chidi Jacques Dembélé, ancien chercheur à la faculté du Sorégio. Avec lui, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux faire des analyses de haut niveau. C'est un homme quand même qui est très simple et qui est intègre, je le dis. Bon, pour moi, l'intégrité, c'est être en conformité avec soi-même. Où vraiment on doit se limiter à ce à quoi on a droit. Il n'a pas de barrière, ni avec ses autres collègues, ni avec les autres étudiants. Il se met au même niveau que les gens qui sont autour de lui. Même s'il sait que tu ne connais rien, il accepte d'enlever son chapeau de grand savant et il revient dans le monde dans lequel l'analphabète ou le non-scolarisé se trouve. Il faut accepter de fournir de l'effort pour arriver à des résultats. On veut avoir tout sans fournir de l'effort. Et on ne peut pas le faire dans la légalité. On peut le faire en respectant les valeurs morales de la société. Généralement, les gens tombent dans le népotisme, dans la corruption, parce qu'ils veulent avoir tout de suite. Et la jeune génération est attirée par cela. On ne peut rien avoir sans fournir l'effort correspondant. C'est-à-dire que si vous voulez aller à Ségou, il faut faire l'effort d'aller jusqu'à Ségou. J'ai trouvé dans le professeur Dembélé quelqu'un de très disponible. Si moi j'essaie de voir, on peut évaluer à peu près jusqu'à 40% ce que notre État perd à cause des problèmes de malversation. Et chaque sou qui se perd, pour moi au Mali, est un crime. Parce que ça prive des populations d'eau potable, ça prive des populations d'école, ça prive des populations de soins de santé. Allez-y dans les villages pour savoir ce qui se passe. Et quand je suis venu, le premier qui m'a accueilli au sein de la faculté, c'est le professeur Jacques Dembélé, qui a initié ce laboratoire au sein duquel aujourd'hui nous sommes assis. Et j'avoue que c'est la première personne qui m'a donné l'envie, l'engouement vraiment de persévérer dans ce domaine de la géographie. Ça va faire 8 ans que je cuisine moi-même. Donc quand je suis revenu, c'est devenu une habitude. Deuxièmement, ça permet aussi d'oublier beaucoup de choses. Pour moi, on cuisine, on ne pense pas au cours, on ne pense pas à la recherche, on ne pense pas aux problèmes que nous avons. On se concentre sur ce qu'on va cuisiner et manger. Donc, ce sont toutes les raisons. Aujourd'hui, notre État perd beaucoup de ressources, surtout les ressources financières, dues à certains comportements dans les services publics. Si réellement on arrive à instaurer l'intégrité et l'unité au niveau des différents services du Mali, aujourd'hui, l'État aura assez de ressources pour faire face à beaucoup de besoins prioritaires.